suis une étoile partout où je passe. Je suis à la terre, je suis une étoile partout où je passe. Je brille. Je suis à la tête et non à la queue, un enfant de destinée. Amen. Je suis à la tête et non à la queue, un enfant de destinée. Aujourd'hui, 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 c'est aujourd'hui, 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 aujourd'hui. C'est aujourd'hui, 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 c'est aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Je suis une étoile partout où je marche, je brille. Je suis à la tête et non à la queue, un enfant de destinée. Je suis une étoile partout où je passe. Je suis à la tête et non à la queue, un enfant de destinée. Aujourd'hui, 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 c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir le prophète des nations? Je veux qu'on se tienne debout. Prophète Christian, est-ce qu'il y a un survivant ce soir? Amen. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui, je vois que tu as survécu. Je vois que tu as survécu. Je vois que tu as survécu. Alléluia. Alléluia. Dieu pouvait permettre que tu meures l'année passée. Dieu pouvait permettre que tu meures l'année surpassée. Mais si l'Éternel t'a maintenu jusqu'en 2016, c'est parce qu'il a réservé quelque chose de bon pour toi. Non, 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 je ne sais pas si elle est propriétaire de cette parole ce soir. Je dis, si t'a maintenu en cette année, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Si t'a maintenu en cette année, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce soir l'Éternel t'appelle survivant dans le nom de Jésus. Tu as survécu de la mort au nom de Jésus. Tu as survécu de l'échec au nom de Jésus. Tu as survécu des pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Fais sa opération. Alléluia. Ça viendra mais ça passera à côté. Ça viendra mais ça ne te touchera pas. Ça viendra mais tu seras en sécurité. Ça viendra mais Dieu va t'épargner au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le jour où l'Éternel s'est révélé à Samuel pour aller choisir un roi, lorsque Samuel est arrivé dans la maison de Isaïe, la Bible déclare, on a commencé à faire passer tous les enfants. Le premier est venu, lui il était grand de taille. On dit non, c'est pas toi, faut quitter là. Le deuxième est venu, peut-être il avait beaucoup d'argent. On dit non, faut quitter là. Ils sont passés, ils sont passés. Et Samuel a dit au père de David, mais est-ce là tous tes enfants? Il dit non, il y a un autre qui est là. Lui il était dans la brousse, il était quelque part. Mais quand David a apparu, la Bible déclare, Samuel a regardé. C'était un homme qui était beau, une beauté angélique. Le prophète était assis, mais le prophète s'est levé quand il a vu David. Et Dieu lui a parlé en lui disant, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Dieu nous a donné un homme qui transporte les ainsi par l'Éternel. Et j'aimerais qu'on se joigne à moi pour bénir l'Éternel avec une acclamation pour la vie du prophète Major Yvon. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu te garde. Nous t'aimons et nous t'apprécions au nom de Jésus. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Marc chapitre 11. Ce matin, je ne suis pas venu, ce soir, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu prophétiser dans le nom de Jésus. Je crois que Dieu va utiliser ma bouche pour parler sur la vie de quelqu'un. Tiens-toi debout, prends ta Bible. Nous sommes dans Marc chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers,
Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, allez au village qui est au devant. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. On le laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent des vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré comme il était déjà tard. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que cette parole soit une voix prophétique pour cette assemblée ce soir. Merci parce que ma personne s'efface afin que toi tu sois vu au nom de Jésus. Merci parce que tu prends celui qui était dans la boue, tu le positionnes et tu le places quelque part dans le nom de Jésus. Nous te bénissons pour cette rencontre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous tenir, nous pouvons nous asseoir et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. La Bible nous présente une histoire. Jésus était avec ses disciples. Il partait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il chassait les démons. Il faisait du bien à tous ceux qu'il rencontrait. Et voici un jour, la parole de Dieu va nous dire, Jésus va prendre deux de ses disciples et il va les envoyer en leur disant, allez-y dans ce village. Quand vous allez arriver dans ce village, vous trouverez un anneau qui est attaché. Et quand vous allez vous approcher, détachez cet anneau et amenez-le-moi. Et Jésus va préciser en leur disant, lorsque vous allez arriver là-bas, pendant que vous serez sur le point de détacher cet anneau, il y aura des gens qui vont se lever pour dire, pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous faites? Quand ces personnes se lèveront, vous devrez dire à ces personnes, c'est parce que le maître en a besoin. C'est parce que nous avons reçu un ordre. C'est parce que nous avons reçu un mandat. C'est parce que nous avons un document qui nous donne le droit de libérer cet anneau. Et la Bible dit, quand Jésus va envoyer ses disciples vont se lever et ils vont se rendre dans ce village. Et arriver dans ce village, ils vont constater, comme Jésus leur avait annoncé, qu'il y avait un anneau qui était réellement attaché. Cet anneau était attaché pendant des années. Cet anneau était lié pendant des années. Sa vie ne préoccupait pas quelqu'un. Sa vie ne disait rien à quelqu'un. Sa destinée ne préoccupait pas les gens. Il était là. Il voyait les gens partir. Il voyait les gens revenir. Il voyait les autres anneaux se mouvoir. Mais lui, il était attaché. Il était privé de la liberté. Il était privé de tout mouvement. Il était privé de beaucoup de choses. Il était là attaché pendant des années. Il était là attaché pendant des mois. Il était là attaché pendant une période donnée. Jusqu'à ce que Jésus puisse donner l'ordre afin qu'on puisse le libérer. Il y a beaucoup d'entre nous ce soir qui sont certainement attachés. Il y a beaucoup d'entre nous ce soir qui vivent des situations compliquées. Tu élèves la voix, tu pries, rien ne se produit. Tu fais des jeûnes, rien ne se produit. Tu fais des offrandes, tu ne vois rien à l'horizon. Mais ce soir, je ne suis pas venu comme un homme, mais je suis venu avec le mandat divin pour te dire que trop, c'est trop. Quelles que soient les années, quelle que soit la période, quelle que soit la durée, à compter de ce soir, un nouveau jour
va commencer dans la vie de quelqu'un. À compter de ce soir, un nouveau temps va commencer dans la vie de quelqu'un. L'anneau était attaché là-bas. Il voyait les autres partir. Il voyait les autres revenir. Il voyait les autres partir. Il voyait les autres être épanouis. Mais lui, il était là. Il était stagné. Vous savez, quand tu traverses des moments douloureux, quand tu traverses des problèmes, quand tu es dans les difficultés, ta vie ne dit rien aux gens. Les gens ne se préoccupent pas de toi. Les gens ne se soucient pas de toi. Personne même ne peut se demander, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'elle a mangé? Tu es seul dans la souffrance. Tu es seul dans la douleur. Tu es seul dans les difficultés. Tu es seul dans l'épreuve. Et tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer. Je suis venu t'annoncer que le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Quelles que soient les années, la gloire de Dieu se lèvera pour toi. La gloire de Dieu se lèvera sur toi. La gloire de Dieu se lèvera pour toi. Je suis en train de prophétiser ce soir sur la vie de quelqu'un. Le temps que tu as perdu n'est pas réellement perdu. Au nom de l'Éternel, j'annonce pour toi un temps de récupération. Un temps de récupération. Un temps de récupération. Un temps de récupération. Tu vas récupérer. Tu penses que tu es en retard. Mais je t'annonce, non mon frère, non maman, tu n'es pas en retard. C'est une question de temps de Dieu. Tu n'es pas en retard. Tu penses qu'on t'a oublié. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Non, 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 non. Une mère peut abandonner ses enfants. Un père peut abandonner ses enfants. Mais celui qui a fait la promesse, il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais te rejeter. En temps convenable, la gloire de Dieu se lèvera. La gloire de Dieu se lèvera. La main de Dieu se lèvera. Et ce qui était impossible aux hommes, il rendra cela possible. L'anneau était là attaché. Les gens passaient. On le voyait lié. Mais personne ne se souciait de sa délivrance. Personne ne se souciait de cet anneau. Est-ce qu'il avait mangé? La pluie venait. La pluie pouvait s'abattre sur cet anneau. La chaleur venait. L'hiver venait. Les saisons venaient. Il était là méprisé. Il était là rejeté. Mais nous savons une chose. Nous savons une chose. Dans le calendrier de Dieu, il déphase toujours les hommes. Les hommes n'avaient pas un plan pour cet anneau. Mais lui, Dieu dans le ciel, il avait un plan pour lui. La Bible déclare, nous sommes dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Projet de bonheur et non de malheur. Projet de bonheur et non de malheur. Il ne te fait pas dans la souffrance. Il ne te fait pas dans les difficultés. Il a créé pour toi des projets de bonheur. Et regardez, lorsque les disciples vont se lever, arrivés dans la ville, ils étaient sur le point de délier cet anneau. Lorsqu'un groupe de personnes se levait pour venir dire, mais que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Mais regardez, monsieur, j'étais là lié. Personne ne se préoccupait de moi. J'étais là, je souffrais. Personne ne se préoccupait de moi. Mais quand Dieu décide de me lever, il y a un groupe qui se lève pour dire, mais pourquoi elle veut se marier? Mais pourquoi il veut se marier? Mais pourquoi il veut un changement? Je suis venu dire ce soir, nous sommes dans une opération. Opération force contre force, puissance contre puissance, effet contre effet. Ils viennent contre toi. Dieu aussi va se lever. Ils viennent contre toi. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu des armées. C'est pourquoi ce soir, je déclare l'échec de la sorcellerie dans ta vie. Ce soir, je déclare l'échec de la sorcellerie dans ton foyer. Je déclare l'échec de tous les plans de l'ennemi. Dès qu'ils apprennent à mes filles là-bas, Dieu est en train de faire des exploits. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu qui est en train de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en bas? Mais quand il y a la souffrance, eux ils sont contents. Dès qu'ils entendent une bonne nouvelle, ça commence à se lever afin de critiquer. Vous allez critiquer ce ministère avancera. Vous allez me critiquer, j'avancerai. Je vais avancer, je vais progresser. Quand ils
se sont approchés pour libérer l'anneau, il y a un groupe qui se lève pour dire, mais pourquoi faites-vous cela? Et ils ont répondu, le maître en a besoin. Quelle que soit la parole qui avait été libérée sur ta vie, quelle que soit la parole qui avait été libérée sur ta maison, je déclare ce soir sans effet dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir sans effet dans le nom de Jésus. Le célibat sans effet, la mort sans effet, la pauvreté sans effet, l'échec sans effet, la galère sans effet. Dieu pouvait te maintenir en Afrique, mais si Dieu t'a attiré sur la terre de la France, ce que pour toi sortira, ce que pour toi sortira. Je vois ce soir la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je vois la main de Dieu sur la vie de quelqu'un. Mon Dieu est en train de récupérer quelqu'un de la bassesse pour le conduire quelque part, pour le conduire quelque part. Opération rattrapage. C'est vrai, j'étais le dernier, mais regardez ce qui se passe dans la course. Quand on de courir, la course des hommes est différente de la course de Dieu. Les hommes peuvent être en train de courir selon les hommes, tu peux être le dernier, mais quand Dieu donne son coup d'envoi pour te dire que la voie que vous empruntez est la mauvaise voie et que la bonne voie se trouve derrière, toi qui étais dernier, tu te retrouves automatiquement premier, tu te retrouves automatiquement premier, tu te retrouves automatiquement premier. J'annonce ce soir que tu sois le premier dans ton foyer, le premier dans ton travail, le premier dans tes activités. Maman, l'anneau était là attaché. Sa vie ne disait rien. Il y a des fois, tu es là, tu souffres. L'hiver en train de te frapper. Donc tu es là, tu souffres. Le froid de l'hiver te fatigue. Le froid de l'hiver te fatigue. Et quand Dieu décide de te lever, on commence à dire, celle-là, c'est pas clair. Peut-être c'est l'argent de la magie. Même si c'est l'argent de la magie, on va bouffer cela. Même si c'est l'argent de la sorcellerie, on va bouffer cela. Au nom puissant de Jésus, il n'y a pas l'argent de Satan, il n'y a pas l'argent du diable. L'argent, c'est l'argent. La Bible déclare que c'est Dieu qui a créé l'argent. Puisque Dieu a créé l'argent, il va te donner l'argent. Il va te donner l'argent. C'est pourquoi ce soir, reçois l'argent au nom de Jésus. Reçois l'argent au nom de Jésus. Reçois l'argent au nom de Jésus. Ce soir, toi qui étais caché dans la pauvreté, nous te retirons de là ce soir. Nous te retirons de là ce soir. Nous te retirons de là ce soir. Tu sors ce soir de la galère. Tu sors ce soir de la galère. Tu sors ce soir du manquement. Au nom de... Laissez-moi vivre, il y a quoi? Laissez-moi vivre, il y a quoi? Souvent, les gens ont l'impression que la gloire, c'est pour eux. Les gens ont l'impression que le bonheur, c'est pour une catégorie de personnes. Le bonheur n'est pas une catégorie de personnes. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 28, et Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit en leur disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois derrière, mais il t'a créé pour dominer. Il t'a créé pour dominer. Je dis, il t'a créé pour dominer. Aïe, aïe. Ya 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 ya, l'arrivée de quelqu'un aura chaud ce soir. Ya 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 ya, l'ennemi de quelqu'un aura chaud ce soir, parce que tu vas dominer sur lui, tu vas dominer sur elle, tu vas l'écraser, tu vas marcher sur lui ce soir. Vous trouverez un anneau qui est attaché, et lorsqu'on va vous demander, vous direz, le maître en a besoin. My God. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Quand ils se sont levés et ils ont déclaré la parole, en même temps, ils ont fléchi genoux. Il y a des noms qui ouvrent les portes. Et le nom que nous invoquons n'est pas le nom d'un homme, n'est pas le nom d'une zone, n'est pas le nom d'une forêt, mais c'est le nom de Yahweh. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J-E-S-U-S. En son nom,
tout genou fléchit. C'est pourquoi ce soir, le célibat fléchira, la maladie fléchira, la galère fléchira, la misère fléchira. Ils fléchiront ce soir, ils fléchiront ce soir. Ils ont commis une erreur en venant frapper à ta porte. Ils ont commis une erreur en cherchant à toucher à tes enfants. La main de Dieu se lèvera, la main de Dieu se lèvera, et Dieu se lèvera pour toi. Dès qu'ils ont dit, le maître en a besoin, ils ont reculé en même temps. Dès qu'ils ont dit, le maître en a besoin, ils ont reculé en même temps. Il y a des noms qui font reculer nos ennemis. Il y a des noms qui font reculer l'adversité. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Quel que soit ton nom, même si tu es le chef des sorciers de notre famille, même si mon père t'a adoré, même si ta mère m'a adoré, ça c'était mon père, ça c'était ma mère, mais moi, ma vie appartient à Jésus. Je t'ordonne de quitter devant moi. Je t'ordonne de libérer mon chemin. Que la malchance te libère ce soir. Que le mauvais sort te libère ce soir. Dis papa, pourquoi ton visage est serré? Dis papa, pourquoi ton visage est serré? Ce soir, je suis animé d'une colère sainte. Je suis animé d'une colère sainte. Je dis, si c'était quelqu'un qui est à la base de ce qui t'arrive qui n'est pas bon, à compter de ce soir, ton Goliath doit mourir. Je dis, ton Goliath doit mourir. Je dis, ton Goliath doit mourir. Je tape le sol. Je déclare la mort de ton Goliath. Je déclare la mort de ton Goliath. Je déclare la mort de ton Goliath. Je déclare qu'ils tomberont. Je déclare qu'ils tomberont. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez. L'anneau était lié. Écoutez-moi bien. L'anneau était lié. Sa vie ne disait rien à quelqu'un. Mais dès qu'on a dit qu'il sera délié, il y a des gens qui ont apparu. Mais où étiez-vous quand je souffrais? Où étiez-vous quand ça n'allait pas dans ma vie? Où étiez-vous quand je n'arrivais pas à avoir des enfants? Où étiez-vous quand je ne travaillais pas? Maintenant je travaille, vous voulez arrêter mon travail. Maintenant je me suis marié, vous voulez arrêter mon marié. Je déclare ce soir, ils n'ont qu'à mourir au nom de Jésus. 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 Qu'il tombe et meurt ce soir. Qu'il tombe et meurt ce soir. Qu'il tombe et meurt ce soir. Ce soir, je rentre dans ta famille prophétiquement. Je rentre dans ta famille prophétiquement. Je voyage dans ton village. Quel que soit ce qui existait, je déclare qu'il tombe. Je déclare qu'il tombe. Je déclare qu'il tombe. Je déclare qu'il tombe. Au nom de Jésus. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde méchant. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui n'est pas reconnaissant. C'est un monde qui est bizarre. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut jamais jouer avec. Jésus savait, en partant libérer l'anneau, il y allait des gens qui allaient s'opposer. Jésus savait, s'il y avait des gens, si en partant libérer l'anneau, il y avait, vous pensez qu'on est parti libérer l'anneau facilement, on te détache? Non. Il y en a qui lisent, non? Ils sont partis d'eux. Habituellement, quand Jésus envoie les disciples, on a toujours dit Pierre et Jean. On a toujours dit Jacques. Mais pourquoi cette fois-ci, quand ils sont allés dans ce village, ils n'ont pas dit le nom de ces disciples-là? Parce que c'était une mission kamikaze. C'était une mission kamikaze. Les disciples que Jésus avait envoyés, c'était des loupards, c'était des apollos, c'était des hommes forts. C'est pourquoi on n'a pas mentionné leur nom. C'était des guerriers. Et ce soir, Dieu ne va pas prendre la forme d'un messager. Mais Dieu apparaît ce soir à tes ennemis comme un guerrier, comme un loupard. Ouvrez la porte parce qu'il doit se marier. Ouvrez la porte parce qu'elle doit accoucher. Ouvrez la porte parce qu'il doit être milliardaire. Est-ce qu'il y a des milliardaires ce soir? Est-ce qu'il y a des millionnaires ce soir? Toutefois qu'il envoyait des disciples, on entendait Pierre et Jean, on entendait Jacques. Mais pour cette mission du village, on a pris deux inconnus, deux disciples inconnus.
J'essayais de fouiller dans la Bible. Mais quels étaient ces disciples-là? On n'a pas mentionné leur nom. Parce que c'était une opération rapide. Chez nous, Abidjan les appelle Cécédo. Quand ils apparaissent comme ça, c'est que vraiment c'est fort. Et quand les disciples ont apparu, ils disent, le maître, on a besoin. C'est pourquoi ce soir, je ne suis pas venu sourire à ton ennemi. Je ne suis pas venu sourire à ton adversaire. Mais je suis venu lui parler en le menaçant. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse-la se marier. Laisse-la avancer. Laisse-la progresser. Au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de l'agneau. Ce que 2000 ne t'a pas donné. Ce que 2015 ne t'a pas donné. Je m'arrête dans le sang de l'agneau. Et je programme cela en 2016. Je programme cela en 2016. Qui te récupère? La femme est venue voir papa Yvon. Papa Yvon lui a dit, je vois les clés dans ta main. Elle a déjà voiture, son enfant en voiture. Ça ne lui disait rien pour le moment. Elle rentre à la maison, elle arrive à la maison. Et son mari lui dit, non, ta voiture ne me plaît plus. Je veux que tu changes de voiture. Bon, écoutez-moi d'abord. Donc, on fait les choses. Voiture-là ne vient pas, elle s'inquiète. L'homme de Dieu rentre en esprit. Il lui dit, non ma fille, la voiture là c'était pas pour toi. Mais dans un mois, tu auras ta voiture. En fait, il a ramené ce qui était prévu dans le temps. C'est pourquoi ce soir, prophétiquement, je ramène ton miracle au nom de Jésus. Le temps dans lequel nous sommes, le temps dans lequel nous sommes, nous ne sommes pas dans un temps de cycle long, mais nous sommes dans un temps de cycle court. Je veux ma grâce maintenant. Je veux mon miracle maintenant. Je veux mon élévation maintenant. La femme a dit à Jésus, je veux mon miracle maintenant. Jésus a dit à la femme, non, je ne dois pas te donner ce miracle parce que tu es une femme cananéenne. Car la Bible déclare, la loi de Moïse nous interdit à faire un miracle dans ta vie. Car on ne peut pas donner de la bonne chair aux chiens. La femme dit non, même si je suis une chienne, même si tu me traites d'animal, je m'en fous de cela. Mais aujourd'hui, je veux mon miracle. Aujourd'hui, je veux mon miracle. Et quand Jésus a vu sa foi, il lui a donné ce que son cœur désirait. Ce soir, je vois ta foi. Je m'en fous même de ta foi. Je te prête ma foi pour que ton miracle soit possible. Pour que ton miracle soit possible. Pour que ton élévation soit possible. Et regardez, ils vont libérer l'anon. Dès qu'ils vont détacher l'anon, l'anon va commencer à marcher. C'est ce qui me plaît avec Dieu. Et la Bible précise que cet anon-là, personne n'est jamais monté dessus, my God. Personne ne s'est jamais monté dessus. Ils ont pris l'anon, mais l'anon ne marchait plus sur la terre. Ils ont mis un chemin, ils ont déblayé un chemin pour cet anon. Alléluia. Il y a des fois, tu es là, tu pleures parce que tu vois telle personne acheter une voiture. Il y a des fois, tu es là, tu pleures parce que tu vois cette personne a obtenu une maison HLM. Parce qu'il y a des fois, tu es là, tu pleures parce que tu vois telle personne a vécu un déblocage. Mais je suis en train de parler à quelqu'un parce que Dieu est en train de préparer ton miracle. C'est pourquoi peut-être ça dure. Il est en train de préparer quelque chose qui va durer dans le temps. Pour toi ne sera pas comme les autres. Ton miracle sera différent. Ton mariage sera différent. Ta promotion sera différente. Ton élévation sera différente. Tes enfants seront différents. Dieu bénit tes entrailles ce soir. Dieu bénit ta main ce soir. Il bénit ta main ce soir. Il libère ta vie ce soir. Tiens-toi debout et marche un peu. Dis opération, me voici. Non, tourne bien, tourne bien, tourne bien, tourne bien. Vous voyez, l'anneau a commencé à marcher. L'anneau a commencé à marcher. Et dans le quartier, il y a eu des bandades. M'a dit, mais qui es-tu? Depuis quand toi tu es libéré? Depuis quand toi tu as été visité? Et l'anneau marchait, l'anneau faisait le malin. À partir de cette année, la condition de ta vie changera au nom de Jésus. L'Éternel apportera la joie au nom de Jésus. L'Éternel apportera la joie au nom de Jésus. J'annonce ce soir, dans la vie de plusieurs au milieu de nous, toi qui étais dernier, opération accélération au nom de Jésus. Opération accélération au nom de Jésus. Tu sauteras les étapes au nom de Jésus. Tu sauteras les étapes au nom de Jésus. Vous serez toujours à la tête et jamais à la queue. Je serai toujours en haut et jamais derrière. J'annonce que tu avances au nom de Jésus. J'annonce que tu progresses au nom de Jésus. Nous sommes dans l'opération cheval. Dis opération cheval. Dis
dit, pasteur, révèle. Vous savez, dans le mystère du cheval, papa Yvon, dans le mystère du cheval, le plus tu le frappes, le plus tu lui fais du mal, le plus il avance, le plus... Quand tu prends un cheval, pour toi tu es en train de lui faire du mal, tu es en train de le frapper, tu es en train de lui faire du mal, mais la douleur le pousse à avancer, mais la douleur le pousse à progresser. Cette douleur dont tu subis ne va pas te tuer, non, elle ne va pas te tuer, elle va te donner d'avancer, elle va te donner de progresser. C'est vrai que je suis en train de souffrir, mais j'avance. C'est vrai que c'est compliqué, mais j'avance. C'est vrai que c'est difficile, j'obtiens mes papiers, j'obtiens un bon travail, j'obtiens mon mari, j'obtiens mon argent, j'obtiens ma grâce, j'obtiens ce soir au nom de Jésus. Assieds-toi un peu que je te parle. L'anneau a été libéré. Vous savez, quand Dieu nous libère, la liberté ne se limite pas à nous seulement. Quand vous faites les recherches, toutefois en Israël, qu'on attachait un anneau, sa mère était toujours à côté de lui. Alléluia. Donc le jour où l'anneau a été détaché, sa mère aussi a reçu la liberté. L'anneau, ça veut dire que quand Dieu te visite, il ne te visite pas toi seul. C'est pourquoi Actes chapitre 16 verset 32 dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas une question de toi seulement. Tu seras béni, tes enfants aussi seront bénis. Tu vas recevoir ta grâce, ta maison aussi recevra la grâce. Ta maison sera visitée. Moïse a dit à Pharaon, laisse sortir mon peuple. Mon peuple ne sortira pas seul. Mon peuple sortira. Nos enfants vont sortir. Notre argent va sortir. Même pour vous aussi, ça va nous accompagner. Opération sur plus. Dieu te bénit. Il bénit ceux qui viennent après toi aussi. Dans le nom puissant de Jésus, je vois plusieurs personnes dans ta maison qui vont bénéficier de la grâce à cause de toi. Je vois plusieurs personnes dans ta famille qui vont bénéficier du bonheur à cause de toi. À cause de toi, Dieu va libérer ta maison. À cause de toi, Dieu va libérer tes enfants. À cause de toi, l'Éternel se souviendra. Non, je vais m'arrêter ici là. Ici là, ils sont bien par rapport à cette rangée. Je dis à cause de toi, l'Éternel se souviendra de toi. À cause de toi, l'Éternel se souviendra de toi. L'Éternel se souviendra de toi. Là où l'anneau était, sa vie ne s'est pas arrêtée là. Dieu l'a amené quelque part. Je vois quelqu'un ce soir. Peut-être ta destinée, c'est aux États-Unis. La France ne pourra plus te maintenir. Je te propulse sur la terre de ta destinée. Sur la terre de ta destinée. Ce soir, ce qui retenait ta destinée est relâché ce soir. Est relâché ce soir. Va et pas désespoir. Va et avance. Va et pas de fruits, va et pas de fruits au nom de Jésus. C'est pourquoi quand Dieu nous donne un homme de Dieu qui a la dimension du prophète Okia Yvon, vous devez le prendre au sérieux. Il y a des choses, Jésus ne va jamais descendre sur la terre pour le faire. Il va toujours envoyer des hommes voyants comme lui, qui ont la capacité de voir et de te dire, ma fille, fais attention. Mon fils, fais attention. C'est vrai que tu as échoué, mais sache que tu es un leader. Ce genre de paroles nous réconfortent sur le chemin de la foi. Nous avons besoin des hommes comme ce temps pour nous orienter, pour nous guider, pour nous... Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Hey. Et l'anneau est sorti dans la joie. Et ils ont mis tout le confort à côté de lui. Demande-moi, mais quel était le sort des autres anneaux? Quel était le sort des autres anneaux? Ils étaient là, en train d'assister à la gloire de l'anneau qui avait été libéré. Et j'ai dit, ils viendront assister à ta gloire. Ils seront là assis pour dire, vraiment Dieu est bon. C'est celle-là qui est devenue comme ça. Vraiment Dieu est bon. C'est celui-là qui est devenu comme ça. Je te vois venir avec ta voiture. Je te vois venir avec ta voiture. Je te vois venir avec ta grâce. Je te vois apparaître. Et ils ne pensaient pas
que toi aussi tu allais accoucher, mais je te vois avec des enfants, venez les saluer. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? On dit, non, c'est Madeleine qui est venue de Paris, elle est venue en vacances. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le frère Mathieu qui est descendu, il est venu juste pour construire sa maison et il repart. Tu n'auras plus le temps, ils seront là en train de t'acclamer, ils seront là en train de t'acclamer. Ce soir, j'annonce l'honneur dans la vie de quelqu'un. Ce soir, j'annonce l'honneur dans la vie de quelqu'un. Là où tu avais frappé et qu'on t'avait refusé, à compter de ce soir, tu seras accepté au nom de Jésus. On te recevra au nom de Jésus. Tu vas déposer le dossier, ton dossier sera accepté. Tu vas déposer le dossier pour démarcher, on va t'accepter au nom de Jésus. On signera ce chèque au nom de Jésus. Ce dont tu as besoin pour commencer ce commerce, pour commencer cette activité, je déclare l'honneur sur ta vie. Que l'honneur t'ouvre les portes. Que l'honneur t'ouvre les portes. Que l'honneur t'introduit au milieu des grands, au nom puissant de Jésus. Tu marcheras sur un tapis rouge. On a trop marché sur cette terre, mais Dieu dresse au devant de nous. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta alouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dis, pasteur, qu'est-ce que tu vois? Dis, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je vois une table qui est dressée. Je vois une table qui est dressée. À côté, je vois le frère Mathieu. Juste à côté, je vois maman Émilie. Les deux sont assis. Et Dieu appelle un ange. L'ange Gabriel vient. L'ange apparaît. Et l'ange commence à te servir. Et je vois tous ceux qui pensaient que toi tu allais échouer. Ils sont en train de te regarder, tu es en train de manger. Le plus on te souhaite que tu vas mourir, tu ne feras que vivre au nom de Jésus. Le plus ils vont dire non, elle va être derrière. Je te vois assis sur une table royale, sur une table royale. Vous savez, quand Dieu établit quelqu'un quelque part et que la sorcellerie veut venir, il y a une épée qui s'élève et qui te découpe. Pia. Quand Dieu établit quelqu'un que tu veux te lever, telle cette église. Par exemple, cette église, toi tu es assis et puis tu veux que ce qui est ici n'a qu'à s'arrêter. Tu souhaites tout ce qui est mauvais. Le plus tu souhaites cela, le plus les miracles ne font que s'augmenter davantage. On dit non, on va leur donner 6 mois. Ils vont s'arrêter. 6 mois passent, nous sommes à 1 an. Chez opération, chacun sa voiture. Et on voit que les gens ne font que grossir. Le teint des gens ne font que changer. Moi, je demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. C'est pas normal. Mais avec Dieu, c'est pas normal. Car nous sommes des hommes surnaturels. Dis à ton voisin, je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas normal. Peut-être vous pensez que nous sommes normaux. Personne n'est normal ici. Nous sommes des hommes extraordinaires. Nous sommes des hommes surnaturels. Nous sommes dans Somme chapitre 8 où Dieu dit qu'il fait de nous des petits dieux. Toi qui veux m'attaquer, tu vas le rencontrer sur ton chemin. Toi qui veux venir, il va t'écarter au nom puissant de Jésus. Tu coûtes cher aux yeux de l'Éternel. L'Éternel veillera sur toi. L'Éternel te protégera. L'Éternel te gardera. Aucun malheur ne t'arrivera. Je dis aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'arrivera à ta vie. Aucun fléau n'arrivera à tes activités. Que celui qui dit amen 3 fois, que Dieu le protège ce soir. Que Dieu l'élève ce soir. Que Dieu se souvienne de lui ce soir. Tiens-toi debout là où tu es. Il y a des personnes au milieu de nous ce soir. Là où vous êtes, vous n'êtes pas à votre place. Le Seigneur me dit de prier. Vous n'êtes pas à votre place. Vous ne recevez pas ce que vous devrez normalement recevoir. Mais ce soir, il va y avoir un déménagement au nom de Jésus. Il va y avoir un changement de station au nom de Jésus. Lève ta main droite là où tu es. Déclare Père Céleste. Père Céleste. Père Céleste. Ce soir. Ce soir. Par le feu. Par le feu. Et par le sang. Et par le sang. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Contre toute puissance. Toute force. Satanique. Satanique. Familiale. Familiale. Qui me retenait. Ce soir, toi,
toi qui se dis homme fort de ma famille, ce soir, libère ma vie, libère mes activités, libère mon commerce, libère par le feu, libère par le feu. Commence à battre tes mains et allume le feu ce soir. 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 Yakata pama baba Satan. Allume le feu ce soir. Ferme tes yeux, lève tes mains vers le Seigneur. Je prie un nouveau vent. Il y a des personnes au milieu de nous ce soir. 40 personnes ce soir. Le Seigneur est en train de vous visiter d'une façon particulière. Il y a une force qui vous maintenait en arrière. Il y a une force qui vous maintenait là où vous n'étiez pas supposé être. Mais ce soir, ils sont au nombre de 40. La main de Dieu vous retire de là. La main de Dieu vous retire de là. Dieu me dit, ce sont des Joseph. Ce sont des personnes de destinée. Et ce soir, l'esprit vous attire. L'esprit vous attire. Où que vous soyez, la voix prophétique vient jusqu'à vous. La voix prophétique vient jusqu'à vous. La voix prophétique vient jusqu'à vous. Tu étais rejeté, tu étais abandonné, tu es quelque part. Ils sont au nombre de 40. Commando, aidez-les, amenez-les ici. Je vais simplement les toucher. Amenez-les, aidez derrière là-bas. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. L'éternel te retire de là. L'éternel te retire de là. Il y a une force de Dieu. Il y a une force de Dieu qui te retire là où tu es. Qui te retire là où tu es. Ce soir, il y a une onction supérieure qui arrive. Il y a une onction supérieure qui arrive. Ne soyez pas distrait. Il y a une onction supérieure qui arrive. Il y a des esprits qui sortent de corps. Il y a des filles qui sont libérées sous l'onction de Dieu. Recevez cette huile fraîche. Recevez cette huile fraîche. Aidez les commandants là-bas. Ils sont au nombre de 40. Ils sont au nombre de 40. Mais dit l'esprit de Dieu. Ils ont la grâce de Joseph. Ils ont la destinée de Joseph. Depuis longtemps, vous étiez cachés. Depuis longtemps, il y avait une main qui était sur vous. Mais ce soir, l'onction de Dieu. Mais ce soir, l'onction de Dieu, elle vous localise. Elle vous localise. Elle vous localise. C'est le temps de Dieu pour quelqu'un. On ne te touchera pas. Mais lui-même viendra jusqu'à toi. Lui-même viendra jusqu'à toi. Lui-même viendra jusqu'à toi. Reçois cette main. Recevez cette main. Recevez cette main. Makatabarabakaya. Baba baba soki na bao de cheese. Yabakata barabakaya. Il te rencontre ce soir. Aide-la, amène-la. Ne sois pas distrait. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. La puissance de Dieu est au milieu de nous. Le mouvement de l'esprit. La puissance de Dieu est au milieu de nous. Répète après moi, Saint-Esprit de Dieu. Répète après moi avec ton cœur, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Voici mon cœur ce soir. Voici mon cœur ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Tout poison, tout poison que j'ai reçu ce soir par le feu, tu sors, tu sors. Tout poison que j'ai reçu par l'Esprit de Dieu, sors. Fais silence. Jesus, fais silence. Commando, aidez-les. La puissance de Dieu est là. Power, Jesus, aidez-les. Le vent de Dieu est en train de souffler dans cette salle. La puissance de Dieu est en train de souffler dans cette salle. C'est en train de commencer au niveau de tes entrailles. Et dessus cette rangée-là, Dieu est en train de libérer les entrailles. 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 Quelque chose se passe ce soir. Quelque chose se passe ce soir. Et de là, seul quelque chose se passe ce soir. Quelque chose se passe ce soir. Il libère tes entrailles ce soir. Il libère tes entrailles ce soir. Recevez la main de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il te libère. Sa power, il te libère ce soir. Reçois la touche.
Recevez la touche. Recevez la touche. Recevez la touche. Recevez la touche. Recevez la touche. C'est le temps de ta libération, ma fille. C'est le temps de ta libération. C'est le temps de ta libération. Makata barabakaya. Babababakaya. Saka babababakebo. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Faites-les lever qui s'attrapent les mains. Je vais prier pour eux. Cette femme qui est devant moi, qui est devant moi, a perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Qu'elle tende simplement ses mains. Elle a perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'elle devait recevoir. Mais à cause de l'œuvre de la sorcellerie. Mais ce soir, je me tiens dans le sang de l'agneau. Tout ce qui était pour toi et qui t'appartenait, j'appelle un rachat ce soir. J'appelle un rachat ce soir. J'appelle un rachat ce soir. Quelle que soit la main qui maintenait, qui retenait ce qui est pour toi, un rachat ce soir. 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 Que ta destinée change. Que ta destinée change, maman. Que ta destinée change. Touche. Que ta destinée change. Que tu témoignes d'une bénédiction financière dans cette maison. Reçois le feu, maman. Reçois la puissance de Dieu. Recevez 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 la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut me faire venir ce frère? Papa, venez. Le Seigneur va vous visiter. Je vais prier ce soir, mais avant de prier pour ces personnes, le Seigneur me dit de parler sur toi devant tout le monde. Tu vas faire 7 jours de jeûne. Et au cours de ces 7 jours, quand tu vas faire les 7 jours de jeûne, tu achètes une bouteille d'huile d'olive. Une bouteille d'huile d'olive. Tu viendras ici, tu vas te présenter devant votre papa, à ses pieds. Il faut acheter la bouteille avant, il va consacrer ça. Et puis tu vas venir, il va prier pour toi. Quand il va prier pour toi, tu ne seras pas en avec les chaussures, il va oindre tes pieds. Et j'ai vu sur cette terre de la France, Dieu doit te visiter. Seigneur, c'est poussé par ton esprit que les prophètes prophétise de ta part. Seigneur, il y a plusieurs personnes dans cette salle, mais tu as conduit mes yeux sur lui. Je prie afin que tout ce que tu as réservé pour lui sur cette terre de la France, que cela lui soit donné au nom de Jésus. Que cette année 2016, qu'il témoigne qu'un prophète a parlé sur ma vie et voici ce que j'ai vécu. Toi que le Dieu de la promotion, de la provision, ouvre la porte au nom de Jésus. Je bénis tes pieds. Je bénis tes mains. Je libère la faveur des nations sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir.